Ils sont nés dans les bains de sang, au milieu des combats. Ceux qui allaient tenir le fort face à la noirceur. Ceux qui n'attendaient rien de cette vie. Et pourtant, ils retourneraient vers la noirceur, puisque leur temps en ce monde était compté et qu'ils entendaient l'appel du Valhalla. Le monde des mortels était en deuil, sentant sa fin approcher. Ce qui jadis était vert et fertile n'était plus maintenant qu'aride et stérile. Ceux qui avaient été en paix ne connaissaient plus que la guerre. Car un grand mal s'était abattu sur Midgard, qui remontait sur Terre depuis les profondeurs infinies de l'autre monde. Mais même dans la plus grande noirceur brillait une lueur d'espoir. Et l'espoir est plus fort que toute armure. L'espoir attend simplement que quelqu'un s'empare. Tu es le brave mortel qu'on appelle Skarin. Tu t'es battu valeureusement pour ton peuple, pour la survie de Midgard. C'est pourquoi tu es encore ici, maintenant, plutôt qu'aux portes de Valhalla. Midgard s'éteint. Je veux que tu deviennes mon champion, ici sur Midgard. Tu rallieras mon peuple contre la Légion de Hel, la reine de l'autre monde qui cherche à prendre le contrôle de ce royaume. Enfin, je te remets ma fidèle amulette, Brisingamen, dont tu pourras te servir pour repousser les ombres les plus malveillantes et qui me permettra de te venir en aide. Je suis Freya, mortel, et je t'ai choisi. Es-tu prêt pour ce long périple, Skarin ?
Je t'ai vu tomber, Scarin. Je t'ai vu mourir. Et tu étais parti. Mais te revoici. Tu as vu le loup à nouveau, n'est-ce pas, Viking? Il rôde dans la noirceur de tes yeux. Il t'observe. Il sent son propre sang. Ce que tu as vu pourrait en effrayer plus d'un, mais cela venait d'une puissance supérieure. Bientôt, le loup sortira de l'ombre. Mais maintenant, maintenant, tu veux en savoir plus sur les dragons? Ils me parlent dans mes rêves. Ils se soucient du sort des hommes. Car si Midgard vient à... Tu as l'air fatigué, Scarin. Tes combats contre les forces de Hel t'ont affaibli. Il serait sage de conserver ton énergie pour combattre la Légion. Sers-toi des menhirs de Niflberg. Ils te permettront de voyager vers d'autres. Laisser nos armes de siège tomber entre leurs mains. Sinon, notre village sera perdu. Scarin, regarde à l'extérieur de Brightelm. Lorsque la Légion de Hel est arrivée sur Midgard, la noirceur s'est abattue sur la lande. Aujourd'hui, même l'air est vicié par le poison de Hel. Si nous pas... Dans des moments pareils qu'on aimerait boire. Où est donc l'hydromel quand on en a besoin? Scarin, si tu en vois quelque part par hasard, ramène-le immédiatement à l'auberge. Scarin, je te servirai volontiers, mais en ce moment je suis à sec. Les forces de Hel ont coupé mes sources d'approvisionnement. Ah, comme j'aimerais... Scarin, j'ai eu le cœur brisé quand on m'a dit que tu avais été vaincu par le lieutenant de Hel et que tu avais connu le même destin que ton père. Mais te voilà aussi frais et dispos qu'un jeune cerf. Ah, comme j'aimerais avoir aussi bonne mine. Mais Darkwater est sous l'occupation de la Légion et l'heure est grave. Pourtant, nombreux sont les Vikings encore vivants, terrés dans des cavernes et prisonniers de la Légion de Hel. Ce sont tous des guerriers compétents, capables de manier la hache et l'épée. Aide-nous et viens renforcer nos rangs. C'est la seule façon de tenir face à l'armée de Hel. Tu devrais aller voir... Scarin, tu as vu comment l'ennemi nous nargue? Regarde sur la plage, nos compagnons sont voués...
Que ton père veille sur toi, Skarim. De l'hydromel me rendrait le sourire. Pour... Ah, Skarim, je te servirai volontiers. Ici, nous ne nous battons que pour nous amuser, Skarim, pas pour nous entraîner. L'arène de duel est au nord-est de Brightelm. Si tu cherches à t'entraîner, tu devras t'aventurer dans les terres sauvages. L'or est une monnaie précieuse, Skarim, même en ces temps sombres. C'est une bonne épée, Skarim, mais on a toujours un peu de place pour d'autres runes de bataille. Si tu ne l'as pas déjà fait, va voir le forgeron du village qui habite près de la plage. Ce n'est pas un expert, mais il connaît quelques runes de bataille de base. As-tu préparé mes armes et mon armure pour le voyage vers l'île voisine ? La forge est prête. Que puis-je faire pour toi? C'est un plaisir, guerrier. Le forgeron a des objets vraiment intéressants qu'il vend pour nous brancher de... Il y a quelque chose de spécial en toi.